Le lac du Der. Avec une superficie de 48 km² est le plus grand lac artificiel d'Europe. Classé réserve nationale de chasse et de faune sauvage, il se situe sur l'un des principaux axes migratoires des oiseaux. Est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi on a construit ce lac ? Oui. Pour les inondations ? Exactement. En 1974, pour réguler le débit de la Marne et protéger Paris des inondations. Et ce qui était une colline là-bas est devenu l'île aux moutons. Au point 8 de votre carte, vous pouvez voir le grès buppé. Le grès buppé fait partie de la famille des Podicipedidae, c'est-à-dire qu'ils ont les doigts lobés et pas palmés. Les grèbes ne sont pas adaptés à la marche sur terre, ils y viennent rarement. Ce ne sont pas non plus des spécialistes du vol, leurs ailes sont petites. En revanche, ils sont réputés pour leur parade nuptiale exceptionnelle. Justement, vous en avez un droit devant vous. C'est pas vrai. Juju pour Lionel. Juju pour Lionel, tu me reçois ? Juju pour Lionel. Juju pour Lionel, tu me reçois ? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas vu le panneau ? Vous troublez la tranquillité des grès buppés. Ah. Vous êtes sur une zone de quiétude. Il y a un nouveau règlement, il y a un nouveau panneau. Vous respectez la loi. C'est pas compliqué ? Comment vous appelez ? Margot. Margot comment ? Margot, Margot. Rien n'est simple, tout est compliqué. Non. Un règlement, c'est simple. Il suffit d'appliquer. Oui, mais moi, je pêche ici depuis mon enfance. Oui, mais moi, je vous dis que la loi a changé. Lac du Der Champ de Coq, par arrêté préfectoral. La loi est faite pour assurer le salut de l'ignorant. J'appelle la direction. Juju pour Lionel. Juju pour Lionel, tu me reçois ?
que tu fais. Arrête. 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 Tu sais pas nager? Regarde en bas. On est au-dessus du musement au bois. Là-bas, il y avait champ de coq. Et là, champ Paubert. 87 familles. 360 personnes. Des fermes. Des vergers. Des potagers. Des poules. Des vaches. Des cochons. Des enfants. Les luttes, les manifestations, tout ça, ça a servi à rien. Les paysans ont été chassés. Tout a été rasé. Et tu sais pourquoi ? Pour protéger Paris des inondations. Pour la majorité. Pour le confort du grand nombre sur le petit. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi ? Toi, tu pouvais au moins me foutre la paix et me laisser chercher le dardu tranquille. Le dardu ? Lionel pour Juju, Lionel pour Juju, tu m'entends ? Terminé. Lionel pour Juju, Alors, qu'est-ce que tu fais ? T'as pas fait ça ? Complètement cinglé. T'es cinglé ou quoi ? Putain ! En plus, j'ai même pas de rame ! Tu me ramènes tout de suite, je reste pas ici, moi, t'as compris ? Eh ! C'est un tas d'ornes de belon. C'est une espèce protégée. On y va ? Pas tout de suite. Quand ? Ça dépend du dardu. Et c'est quoi le dardu ? Une carpe. Elle a 42 ans. Elle ment jamais et prédit l'avenir aux valeureux. Franchement, Lionel, je vois pas où est ton problème. On a du feu. On a de quoi manger. Il n'y a pas encore vraiment la guerre. Détends-toi. Tu veux mourir comment ? Pardon ? Tu veux mourir comment ? Pourquoi ? T'y as jamais pensé ? Non. C'est pourtant une question importante, quand et comment mourir ? Quand quelqu'un se suicidait au temps de la Grèce antique, on disait que c'était de la faute de la société tout entière. On vit une époque pourrie ! Depuis que je suis originel, on vit une époque pourrie.
J'ai faim. Tu sais, c'est à cause des gens comme toi que tout va mal. Des gens banals, remplaçables, équivalents et insignifiants. Bon, moi, j'ai les pieds sur terre. Non, toi, tu baignes dans la merde. Parce que je protège des oiseaux. C'est trop tard. Le monde touche à sa fin. Qu'est-ce qui te dit que le monde touche à sa fin ? Tout. Toi, par exemple, tu crois changer le monde en protégeant les oiseaux. Tu crois que le monde est beau et qu'il faut le préserver. Je vois pas le rapport. Le rapport ? C'est qu'on veut nous faire croire que glisser une enveloppe dans une urne est un geste politique. Mais la politique ne protège plus. Elle est qu'une parade. Où tout est sale, tout est mort. Tout est faux. Non, ce qu'il faudrait, c'est abandonner le pouvoir et réinventer l'autorité. Une autorité de la discussion. Une autorité qui serait à la fois critique et populaire. Hein ? Pas sûr. Quoi ? Oui, bien sûr. Bonne nuit. Connasse. Quelle heure il est ? 8h30. J'ai un groupe qui arrive à 9h, c'est moi qui ouvre. De toute façon, c'était un boulot de merde. Bon allez, viens ici. Viens toi. Mais tu fais chier là, qu'est-ce que tu fous ? Je te l'ai dit, il faut que je sache. Que tu saches quoi ? Si ça vaut la peine ou pas. La peine de quoi ? De vivre. Tu crois vraiment qu'un poisson va te prédire l'avenir ? Ça n'a rien à voir avec la croyance. Mais qu'est-ce que c'est alors ? Une certitude. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il n'y a que la certitude qui nous met en mouvement. La vraie... Oh ! Au secours ! Un petit chef jaloux, une bande de nazes, un manque de règles, qu'est-ce qu'elle a mon attitude ?10 avril 2016, la lutte est à mener contre nous-mêmes. Il faut détruire la société, abandonner le pouvoir, réinventer... Qu'est-ce que tu fais ? Ah!
Alors, t'as dans le ventre? Hein? Alors, on s'est fait virer? La piste est chez les zadistes. Ils veulent plus de toi, les copains? Folle dingue, hein. Tu entends? Juste devant là, c'est un chevalier gambette. À côté, t'as un courlis cendré. Celui-là, il a une gamme de cris très variée. Quand il vient, son cri finit par U. C'est interrogatif. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Et quand il fuit, son cri finit par I. Alors là, c'est vraiment... On se taille, hein. C'est... T'as répondu? Dans le fond, les alouettes. Derrière le coucou. T'entends le coucou? Juste là, t'as un petit passereau, Pouillofitis. Les ornithologues disent que sa phrase, c'est « Didi, dis-le-moi, si tu m'aimes, dis-le-moi ». Et ces oiseaux là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est des grabupés. C'est une espèce qui a une parade nuptiale très complexe. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs phases. D'abord, les partenaires se font face. Ils secouent leur tête, comme ça. Ensuite, ils font des gestes en miroir l'un de l'autre, comme ça. Ensuite, ils dressent les plumes de leur huppe et de leur joue, comme ça. Et ensuite? Ensuite, ils plongent chacun de leur côté et ils se ramènent des végétaux dans le bec pour se les offrir. Et ensuite? Et ensuite, ils courent sur l'eau côte à côte. C'est magnifique. Et ensuite? Ensuite, ils s'accouplent. Lionel! Oh!
Lionel, il est là! Tu repousses toujours les filles qui te plaisent ? Tu me plais pas. C'est faux. Tu rêves que d'une chose. Ah oui ? Et laquelle ? Que je te suce les couilles. N'importe quoi. Ça se voit ? C'est égoïste et laborieux, le sexe. C'est très égoïste, le sexe. Puis toujours la même chose. T'as raison. De toute façon, on n'a plus le temps. Thank you.